Quand un biaïs reconnu, convaincu, c'est comme ça qu'il se présente, mais Sanga Nyamdine commence à expliquer ce que fait ce gouvernement qui ne marche pas, qui n'est pas normal, sachez que c'est très compliqué. Il y aura beaucoup qui vont se rejoindre à lui. C'est la vérité, ce qu'il a dit, les amis. Il parle du nombre de gouverneurs. Il y a trois régions qui a plus de la moitié des gouverneurs au Cameroun. Trois régions qui a plus de la moitié des préfets au Cameroun, des sous-préfets au Cameroun. C'est le centre, sud et l'est. Qu'est-ce qui explique cela? Dans les grandes écoles, les nominations, c'est toujours les gens de ces régions-là. Centre, sud et l'est. Mais quand les gens commencent à parler souvent, oh les Bamileke, qu'est-ce que c'est? Oh, mais ils ne voient pas leur propre gouvernement. On vous parle de gâteau, mais le gâteau est partagé comment? Parce que les politiciens de RDPC considèrent le Cameroun comme un gâteau, comme un grand gâteau. S'ils considèrent le Cameroun comme un grand gâteau et que on partage ça de la sorte, est-ce que c'est la justice donc? Ce n'est pas la justice. Je ne vais pas utiliser le mot parce que nous sommes sur les RS et il y a des mots-clés autres là. Mais sachez que ça ressemble à T-R-I-B-A-L-I-N-E. C'est exactement cela. Parce qu'on nomme des gens uniquement de notre région. Après, on prétend que les autres sont tribalistes. On prétend que les autres détestent le Cameroun. Alors que ceux qui fonctionnent de la sorte, ce sont ceux-là qui n'aiment pas le pays. C'est évident, ça saute à l'œil. Mais leur amour pour le pays, c'est de nommer leurs frères dans les postes stratégiques et contester les autres en demandant aux autres de ne pas parler. Vous n'avez pas le droit de parler. Vraiment, on a nommé. Et puis quoi? Et puis quoi? Même vous ne devez pas faire exactement la même chose. Hein? Donc, on vous copie et ça vous pose un problème. Si ce que vous faites est bien, pourquoi vous plaindre quand quelqu'un d'autre vous copie, les amis? Je vous suggère d'écouter Messanga Quand Nyamdine. vous prenez le nombre de gouverneurs au Cameroun, sur 10 gouverneurs, 5 sont issus de la même région, centre, sud et est. Certains sont mes amis. Est-ce que c'est l'unité? Lorsque vous prenez, j'entre dans le domaine de prédilection de mon estimé collègue, encore que je veux vous rappeler quelque chose. Le domaine universitaire. Avant le domaine universitaire. Mais pour ça, vous gardez très longtemps la parole. Bon, je m'arrête là d'abord. Oui, je vous en Si ça peut faire plaisir aux autres, vous refusez les illustrations, mais je vais m'arrêter sur le plateau. J'attends mon tour pour Non, faire non, les non. Je illustrations. souhaite que vous gardiez la parole parce que Ah, ce que d'accord. vous voulez dire est très important. Oui, parce que vous avez cité. J'ai l'impression que vous tremblez. Non, Quand vous non, prenez la non, parole, non, mais vous c'est ça, non. Vous avez peur. Non, vous me parlez de la préfectorale, vous me parlez D'abord, du domaine gouverneur, universitaire. C'est ça. Sur 10, vous montrez certains compromis d'unité. C'est des menaces à l'unité nationale. Hein. Il y a des grandes menaces. Sur 10 gouverneurs, Tout à fait. 5 sont issus de la même région. Centre, sud et est. Vous pouvez prendre le gouverneur du nord, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du sud, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du sud-ouest, vous pouvez prendre le gouverneur de l'est, et vous pouvez prendre mon frère et mon ami Ivaya. Ils sont tous issus de ce qu'on appelle centre, sud et est. Sur 58 préfets, 35 sont issus de la même région. Maintenant, je prends le petit cadre que. La région du centre? Mais oui, centre, sud et est. Bien, je vous montre où est l'unité. Maintenant, j'entre dans le domaine de mon frère et ami, vieux, estimé collègue Aboya. Je lui dis souvent en privé, lui-même me dit souvent que c'est vrai ce que tu dis, mais on ne peut pas parler de ça parce que qu'est-ce qu'on peut y faire? On a 11 universités. L'université de Yaoundé 2, le recteur est du centre. Les deux chefs d'établissement, le chef de département, le chef, le doyen de la faculté de sciences juridiques et de politique, on doit, il est du centre. Le doyen de la faculté des sciences économiques avant, il est du centre. La secrétaire générale de l'université de Yaoundé 2, elle est du centre. Où est l'intégration? Le vice-recteur Aboya Manassé. Le vice-recteur, lui-même, il est du centre. Je l'ai oublié. Lui-même, il est du centre comme le recteur. Il est là, c'est mon frère. Aboya est du centre, le recteur est du centre, les deux doyens sont du centre. Maintenant, avançons un petit peu. Prenez les grandes écoles. L'INAM, il est du centre. L'école normale, il est du centre. Lyrique, il est du centre. L'Estique, il est du centre. Et Polytech, il est du centre. Allons même dans ma petite maison lyrique. Le directeur est du centre. Chers collègues, monsieur le recteur, vous êtes notre patron. Je vous dis ce que j'ai eu à dire à deux au ministre Amadou. Les quatre chefs de département de l'Irique sont du centre. Alain Didier Olinga, chef de département de droit international, est du centre. Mandiam, chef de département de l'intégration, est du centre. Bachom, chef de département de politique internationale, est du centre. Eba Ebi, chef de département d'économie, est du centre.
notre maison, que vous et moi, on s'est parlé à une école internationale. Laissons Yaoundé 2. Allons maintenant à Yaoundé 1. Le recteur est du Sud. Le vice-recteur, notre collègue, Wolandini, il est du Sud. Le doyen de la faculté de médecine est du Sud. Et les autres que j'ai déjà cités, je ne reviendrai pas là-dessus. Mmh. Regardez quelque chose encore de très grave. Allez à l'université de Douala. L'université de Douala a 11 établissements. 11. Je vous dis 11. Sur les 11, 8 sont occupés par le centre sud et l'est. Je vais citer. Le recteur Ondoa est du centre. Asako est de l'est. Le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques à Cap, mon frère, il est du sud. Le doyen de la faculté de sciences économiques, Mokolo, il est du centre. Le doyen de la faculté de l'EC, il est du sud. Le directeur de l'ESSEC, il est du sud. Mais entre nous, où est l'unité? L'unité fonctionnelle, l'unité opérationnelle. Vous voyez donc que, et je vais pas confisquer la parole. Mais ils sont nommés par décret, mais Sanganiamdi. C'est votre champion auquel vous vous identifiez qui signe ces décrets. Je vais vous dire une vérité, c'est là où ils pensent souvent qu'ils peuvent m'embêter. Le président signe parce qu'il fait confiance à ses collaborateurs. Si on vient vous dire qu'un décret ne se prépare pas, c'est faux. C'est pourquoi je vous dis qu'il est pris en otage, les gens le trompent et ne lui donnent pas l'impression que, effectivement, ce qui signe est toujours correct. Si c'est lui qui signe même ça, même si je suis bien, il s'est mauvais. Mon frère, on n'a pas fini. Au-delà des universités identifiables, quand vous allez à Tcham, le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques, il me le est ici. Quand vous allez à Ngaoundé, le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques, on en a près du centre. Nous ne savons rien. On n'a pas de gouverneur, on n'a pas de préfet. On n'a pas de gouverneur, je l'ai dit. Maintenant, allons au sud. Pourquoi nous, à Douala, on donne quelqu'un du centre? Et au sud, on donne quelqu'un du sud. On ne peut pas nous donner aussi le sud. Vous comprenez que ça gêne. C'est intéressant. Je vous dis que c'est pénible. Et je n'ai pas touché d'autres secteurs. Quand je sors de là, j'observe la diplomatie. J'arrive. Regardez les grandes ambassades. Paris, c'est un gars du centre, Ekoumou. Ben, c'est Bindi, il est du centre. Nous, toi, qu'on le compte Paris. Genève, c'est mon frère et mon ami Eyed Salomon, il est du centre. Bruxelles, c'est Evina, il est beau. Tokyo, c'est Haïti, il est du centre. Washington, c'est Esomba, il est du centre. Quand vous allez même encore à côté, allez voir les Pays-Bas, c'est Madame Ondoa, elle est du centre. Où est l'unité fonctionnelle de l'État? Bon, laissez. Et vous croyez donc que. Laissez Galim Bekem vous répondre à cette question. Donc vous comprenez que c'est une construction que nous devons corriger. Parce que si nous voulons consolider notre unité, je n'ai pas touché d'autre corps. Mmh. Et je m'abstiens. Je n'aurai pas le courage de mon frère, le maître Tchapi, qui a parlé de l'armée. Mais quand vous voyez quand même que le ministère de la Défense, c'est le centre, le CED, c'est le centre, la DGSN, c'est le centre, ben écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de la FBI qui lui l'a seulement lui aussi, où il y a 10 ans, on parlait de l'hégémonie Betty. Ma mère, Betty, je viens d'enterrer mon oncle, voilà mon oncle. Et son baron n'est pas mon oncle maternel. Si. Je suis du centre par ma mère. Mais ces gens exagèrent. Qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Quand on sait que récemment mon oncle est mort, je n'avais pas suffisamment de ressources parce que à quoi sert la représentation administrative? Elle vous permet aussi d'avoir des ressources pour exister. Les amis, c'est exactement ce qu'on décrit depuis longtemps dans ce pays. Et lui, il entre dans la danse aujourd'hui. Les autres peuples sont délaissés par le système actuel. Le système actuel se protège ou pense se protéger avec les frais du village. Et le même système vient nous parler du tribalisme et tout cela. Quand vous regardez donc calmement ce qu'il vient de dire, sur toute la ligne, il a raison. Voilà pour vous ce qui se passe dans ce pays. Thank you friends for watching. Thank you again and bye bye for now.